Hein, pour tous les gilets jaunes blessés, pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont en prison actuellement. Donc ce que je vous propose, merci Lucien, c'est de faire une petite minute de silence et après normalement on doit se disperser. À la fin de la minute de silence, tout le monde crie. Vous lâchez tout ce que vous avez. C'est parti. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Des policiers comme ça, parce qu'on n'a plus droit d'ailleurs. L'abus policière, elle est où là? Parce qu'elle est tout le temps présente. Donc si on peut s'exprimer comme ça, on fait comment pour se battre? On fait comment, hein? Donc, et là, c'est une dictature, c'est n'importe quoi. C'est une dictature, je suis désolé, c'est une dictature. Ben, si on peut plus se battre, si on peut plus exprimer nos idées, si on peut plus prendre les flics en photo quand ils font de l'abus policière, on fait comment? On fait comment pour se battre? Je suis désolé. Alors, il y a la police. Ils font ce qu'il faut. Ils respectent leur travail. Ils font ce qu'il faut pour nous, pour les citoyens. Mais quand il y a qui font de l'abus, qui font leur métier, qui font des diplômes pour juste pour être des cow-boys. Hein, on est où nous quand ils font de l'abus policière? Il faut qu'on soit là pour prendre des photos, des vidéos pour montrer au peuple qu'ils abusent. Ils abusent. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça. Il y en a qui sont respectables. Moi je suis à la rue. Il y en a certains vraiment, ils nous respectent, ils respectent les citoyens. Mais si on peut plus leur montrer au peuple, montrer au gouvernement, le gouvernement qui profite du Covid, qui profite de tout ça, pour passer des lois à la vue de tout le monde, enfin, je sais. Bref, je ne suis pas dans la société, je ne suis pas dans la politique, mais il faut pouvoir montrer au peuple, à tout le monde, qu'il y a de l'abus policière, de l'abus gouvernemental, de l'abus politique. La politique, c'est. J'ai envie de dire c'est de la merde, voilà, c'est mon opinion. Mais il faut pouvoir se battre, faut pas que ça passe ce truc de merde. Parce que si jamais on peut plus montrer au peuple qu'il y a l'abus policière, on fait comment pour montrer que les policiers abusent? Combien de personnes sont mortes à l'abus policière? Combien ont été arrêtés pour ça? Non mais vraiment, non mais franchement, non mais c'est quoi? Je crache pas sur leur gueule, ils font leur boulot, ils font ce qu'il faut. Mais il y a de l'abus policier, faut pas l'oublier. Il y a de l'abus gouvernemental. Hein, ils profitent du Covid, ils profitent de tout ça pour faire passer des lois. Cette loi même, heureusement que vous êtes là justement. Heureusement, si vous étiez pas là, et j'espère que c'est entendu. Mais il faut arrêter, non mais c'est n'importe quoi. C'est de la dictature, c'est une forme plus élaborée. C'est caché. La dictature, elle est là. Elle est là. Merci, vraiment un grand merci. Hein. Bravo la classe. On va faire un appel. Demain, on continue. Alors, aujourd'hui, dans la rue. Ouais, alors juste, comme il dit, aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. On vous donne tous rendez-vous samedi 21 à midi, place de la République, pour une nouvelle manifestation. Et on espère pouvoir en organiser une encore plus, en réunissant encore plus de forces dans les semaines à venir. Merci à tous.